Mec, Death Note m'a tué, là. J'aime les mangas, j'aime les histoires avec des cliffhangers toutes les 5 minutes, j'aime les personnages au look un petit peu gothique, parce que je l'ai été à mon temps. J'ai donc adoré Death Note, l'histoire d'un ado qui entre en possession d'un carnet de notes qui lui donne le pouvoir de provoquer la mort de toute personne dont il écrit le nom. Mais alors dans ce cas, est-ce que tu as vu la version série US sur Netflix ? Oui. Name is written in this note shall die. Shall we begin? Et ah bah ils sont forts hein, parce qu'en 1h40 ils arrivent à te faire plus chier qu'une série animée de 37 épisodes de 25 minutes chacun, qu'un manga de 13 tomes, que ma grand-mère quand elle me raconte sa matinée au marché, tu vois, que la meuf de la poste qui me fait la conversation à chaque fois que je dépose un courrier, qu'un épisode de Louis la Brocante. Ok, calmos, on a compris, ça t'a pas vraiment plu. Tu fais quoi là? Rien.